Salut tous et lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on est avec la Formule 1 pour un hard parcours en Formule 1. Parce que je n'ai jamais fait encore sur ma chaîne, la salle a déjà présenté la Formule 1 sur sa chaîne et tout. Mais je me suis dit aujourd'hui ça picore du pain dur la salle. Pourquoi? Parce que c'est un parcours en Formule 1. Ah oui, j'ai voulu. Elle freine très bien hein. Ouais. Alors la salle, du coup à Formule 1, qu'est-ce que t'en as pensé toi de cette Formule 1 qui est sur GTA 5, qui va bientôt sortir parce que vous l'avez pas encore testé, vous pouvez pas la tester encore une fois. Mais toi qui as testé la salle, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'attends toujours qu'il la sorte officiellement, et surtout parce que une Formule 1 sortie comme ça sert strictement à rien, parce que on l'a testé, franchement en ville ça sert à rien. Surtout qu'il nous sorte des circuits qui nous permettent justement d'exploiter tout le potentiel de la Formule 1. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Parce qu'en fait, pour ceux qui sont pas au courant, en fait, quand on lance la course, on peut changer comment on appelle ça, les pneus roues, en gros. La dureté. La dureté des pneus. Donc on peut mettre soit pneus durs, soit pneus mous, je crois, un truc comme ça. Ouais. Oula. Ok. Et du coup voilà, mais après je pense qu'ils vont faire un DLC spécial, donc c'est pour ça qu'en fait il est pas encore disponible pour vous. C'est que tout simplement ils l'ont pas sorti. Et d'ailleurs on attend la date de sortie la salle. Hein. Du officiel? Ouais. Ben franchement il tarde un peu, mais c'est normal. Chaque semaine ils sortent un véhicule, donc forcément là, faut attendre. On est le février, il faut savoir que les mises à jour avant c'était tous les mardis. Sur GTA, mais vu qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui est sorti, du coup ils ont reporté les matchs à jeudi, la salle, c'est ça? Ouais. Donc du coup, en fait, c'est jeudi maintenant les mises à jour. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'on sort les présentations de véhicules le vendredi, donc le lendemain. On tourne le jeudi, on sort le vendredi. Et du coup, ce jeudi, la salle, c'est Saint-Valentin, donc ils vont sortir le DLC Saint-Valentin, enfin le faux DLC, parce que c'est sorti la même chose tous les ans. Donc du coup, c'est tout simplement, ils remettent ce qu'il y a eu dans les années précédentes. Ni plus ni moins. Ouais. Et je sais pas s'ils vont sortir un véhicule, du coup, justement, pour un Saint-Valentin cette année. Ah! D'accord, en haut, faut pas faire ça. De quoi? Tout en haut. Faut pas continuer le trajet, quoi. Il y a un truc bizarre à faire. Je sais pas c'est quoi, mais il y a un truc bizarre à faire. Ok, je suis passé. Écoute, j'ai fait la même chose, mais doucement. Okay. D'ailleurs, moi, je trouve que les Formule 1 sont vraiment belles. Mais c'est vrai que se balader en ville avec, t'as raison, la salle, c'est vrai que c'est pas trop, tu vois. C'est pas trop avantageux quoi, enfin je sais pas comment dire, c'est pas ça sert à rien en fait, tu vois. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec ce DLC. Du coup DLC Formule 1, ils vont mettre je pense des nouvelles courses et tout. Ça a l'air pas mal. D'ailleurs si vous avez pas vu ma vidéo d'hier la salle, parce que c'est vrai que hier j'ai sorti une bonne vidéo qui s'appelle je vais essayer de passer qui s'appelle commencer GTA 5 avec 0$. Donc je vous montre des astuces pour tout simplement monter sur GTA 5 sans forcément sans tricher et tout, donc avoir de l'argent sans tricher, comment vous faire des sous, tout des astuces. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal encore la salle qu'on n'a pas faite hein. Et peut-être qu'il y aura un épisode 2 parce que vous avez été plein aussi à demander un épisode 2, donc on verra bien. Pour le moment nous ne sommes pas allés manger. Ok, oula je suis tombé aussi là, c'est avec moi là. Okay. Of course. Je te suis là ça. Ça tourne pas hein. C'est incroyable. T'as les trucs là, ça arrête net hein, le véhicule, c'est choquant. Est-ce que tu penses que tu peux crever des pneus de Formule 1? Oui, puisque justement la dureté du pneu c'est pour ça. C'est parce qu'il se crève. Alors attends. Ok. Oh, j'ai de la chance, heureusement que j'y connais le véhicule. Vas-y doucement dans les roues d'hamster.
doucement dans les roues d'Amster. Ouais. Tu te rappelles d'Amster légendaire? Faut pas. Amster légendaire? Ouais. C'est quoi ça? Bah, c'était un gars, il ressemblait à un hamster. Ouais. Et du coup, parce que tu sais, il avait les dents et tout, enfin bref. Et du coup, vu que c'était le roi des hamsters, bah, c'était... bah en fait, il est. Au début, il l'appelait roi des hamsters, et à force, il a gagné le titre de hamster légendaire. D'accord. Et c'est quoi qui fait qu'il ressemble à un hamster? Bah, tout, tu vois, tu sais, les dents, tout, enfin. Tout quoi, je sais pas comment en dire, tout. Et toi, tu l'as vu? Bah ouais, il était à l'école avec nous et tout. Ah hamster légendaire. Je pensais mais... que tu parlais d'un gars dans la vraie vie, enfin un gars dans la vraie vie, je parle. Un gars à la télé qui était passé dans une émission ou quoi? À la télé, il l'aurait appelé hamster légendaire, t'es bizarre toi. Bah je sais pas. Ouais, fois, quoi il que. Les appelle les hommes kangourous, les. Ouais, c'est. Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est. T'as pas tort. Comme le Bigfoot, tu vois. Le Bigfoot ouais. Qu'on trouve sur GTA. Ah, toi, tu croyais que c'était une légende comme ça? Ah, je suis tombé. Ok, c'est chaud. Genre un mec hamster. Ah ouais, t'es chaud, toi. Faut pas que j'arrête. Non, c'est pas ça. Personne l'a rattrapé, les gars. Ouais, voilà, moi, je pensais que tu me parlais de ça. Wesh. Qu'est-ce qui me fait la Formule 1 ici? Wouah! Ah, il faut monter doucement, j'ai explosé le devant là! Bah, j'ai moi, entendu un pneu, non? Se crever. Moi, j'arrive pas à passer, je sais pas pourquoi. Bah, là, ma Formule 1 ne monte pas, moi. Allez, c'est normal? Mais je tombe au même endroit à chaque fois. Moi j'aimerais bien tomber, mais ma Formule 1. La Formule 1 elle avait un boost, la salle. Merde. Pourquoi elle monte pas ici? Je sais pas, j'arrête pas de tomber aussi ici. Non, mais moi elle veut pas monter. T'as quoi comme Formule 1? T'as laquelle? La PR4. C'est normal ou pas, Ria? Ça monte pas. Bah, frère, recule. Fais comme moi. Bah, je vais essayer de monter un peu sur le côté, non? Je sais pas, mais laisse-moi passer, ce serait pas mal. Regarde, si ouais, moi, toi, respawn, tu... respawn. Non, mais moi, elle monte pas. Ouais, mais respawn, tu vas comprendre. Regarde, tu freines ici. Tu freines là, et bam, tu mets joystick en arrière. Ah, merde. Là, ça a pas marché, mais... Comme par hasard, quand je vais te montrer, ça marche pas. En fait, faut y aller un petit peu doucement, un petit peu vite. Ah, bah, merde. Ah, bah, moi, ça me le fait à moi, maintenant. Bah bon courage parce que c'était affreux. Oh non, je suis tombé. Bah ça va me le refaire. C'est horrible hein. Je suis en train de sceller le boost et tout. T'as vu, tu m'as porté la poisse la salle. J'étais presque passé en plus, je suis tombé deux fois. Allez, ça recommence. Oh, c'est horrible. On va rester bloqué ici. Non, mais sérieusement, faire ça avec une Formule 1, c'est pas... Pousse-moi voir un petit peu, si tu peux. Ah, mais ça passe plus. Ah, ouais. Non. Ah, bah, j'ai essayé, hein. C'est normal. Bah, je sais pas, mais là, c'est abusé. Ah ouais, mais tout à l'heure j'étais bien. Là ça marche pas. Mais tout à l'heure c'était tout à l'heure. Bah. C'est quoi ce délire là? Ah là 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 là. C'est quoi rigoler ici? Ah bah c'est quoi rigoler ici hein? Mais ça me l'a jamais fait ça. Waouh! Oh, regarde Anuin. Attends. Oh, je suis passé. Oh non. Bon, faut pas que je tombe. Okay. J'ai pas pu me retourner. Une concentration au max. Concentration. On dit concentration. Je te concentre comme ça, Anuin.
c'est le moment. Zontration. C'est le moment ASMR de la vidéo là, ça. Ah bah. Non, ça peut pas passer. Hein. Eh bah, je suis passé. Ouf, ok. Il fallait juste un peu de concentration, un peu de, tu vois, de karma. Karma League of Legends, et puis voilà. Ah bah voilà, trop d'élan. Tu vois, à force de demander des karmas, la salle, ce que ça fait. Ça karmate. Ok. T'es passé ? Ouais. Ok. Bon, on a galéré, mais enfin ça passe, ça fait plaisir. Et ça, ça c'est beau. Wow. Ok, c'est en arrière. Et du parcours en arrière, hein. Je sais pas si t'aimes ça. Ah bah attends, non, non. Là, il y a trop d'élan surtout. Oula, par contre, ici, peut-être, il y a moyen de ne pas remettre en... Ce matin, on va encore tester un peu. Oh, comment elle tourne, ça fait peur. Genre ici. Comment faire ça? Ah, c'est là en arrière. Ouais. Mais moi, sur les rampes, je vais tester un truc. Je vais dire ça marche. Ah putain. Je suis tombé. Ah, en avant. Ouais, se mettre en avant quand t'arrives au rang. Genre tu te tournes et tout. Ah ouais, je vois pourquoi. Je vois pourquoi tu voulais te mettre en avant, c'est bon. Ah oui. Parce que là, ça va être chaud. Mais pourquoi on spawn pas en arrière là, c'est bête hein. Tu sais, tu dois te retourner tout seul. C'est le premier. Oh mais c'est chaud parce qu'elle booste. Okay, ah ouais, tu te retournes à chaque fois. Tu t'es retourné à chaque truc. Ouais. Je me suis retourné et à la fin je me suis re-retourné. Tu sais, à la fin du des rampes. Ouais. Ah bah. Ah bah je passe. C'est stylé. Ok, bah je crois que j'ai fini la salle. Ouais. Voilà. Allez. Oh, je l'ai fait du premier coup. Ah oh, c'est magnifique. Ok. Eh ben écoute, la salle, on va faire la mini déjà, ce sera pas mal. Et voilà, miniature, c'est magnifique. C'est stylé, c'est beau, on a fait les parcours en 14 minutes, la salle, ça c'est beau. Franchement, c'était ça assez fait compliqué, plaisir. Tu vois, heureusement qu'on est des pros, quoi, j'ai envie de dire. Pas mal. Bien joué à toi, la salle. Je sais pas si t'en es à où là, je vais voir. Oula. Je viens de tomber. Attends, je regarde où. Ah ouais, pas mal. Un backflip, la salle. Et c'est bon, t'as tiré ben tout droit comme ça. Tout droit, genre comme ça. Ouais. Ah bah. C'était. On voulait voir un moment satisfaisant, mais on l'a pas pu. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis au revoir.